Bonjour, alors je reviens avec une nouvelle petite vidéo pour la Glossy Box du mois d'août, bien que nous soyons en septembre. En tout cas, elle fait un certain poids quand même. Je ne l'ai pas ouverte comme d'habitude, je l'ouvre en direct. Donc, oh, d'entrée. Alors, je sais pas si ça fait partie, c'est sorti du. C'est peut-être sorti, ouais, de. Alors. J'ai en tout premier, c'est bien parce que j'ai pas, oui, j'ai pas le temps d'ouvrir, il était posé dessus. Voilà. J'ai un crayon noir pour les yeux Miscop, waterproof, automatique. Comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Parce que ça, les crayons, de toute façon, ça se perd pas, ça s'utilise. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Allez, viens par ici, ouvre-toi, s'il te plaît. Parce que là, je peux au moins l'ouvrir. Ouais. C'est pas grave s'il reste du plastique. Alors. Ouais, bon, il est gras. Bon, il n'est pas très intense. Mais il est assez gras. Il marque assez facilement. Voilà. Après, de toute façon, même s'il n'est pas assez gras, pour mettre dans la muqueuse. Bon, là, il y a un petit embout mousse apparemment pour estomper. S'il n'est pas assez gras pour la muqueuse, c'est pas très gras. Parce que je m'en sers pour faire les traits d'eyeliner parce que je vais finalement beaucoup plus vite au crayon que au l'eyeliner liquide ou tout le reste. Alors, on a une petite carte nutritive active, carte de fidélité. D'accord, votre fidélité récompensée pour bénéficier de votre offre. Il vous suffit de compléter vos coordonnées, retourner cette carte et 5 points situés sur les boîtes de la gamme d'Orience. D'accord. Donc voilà, on a une petite carte comme ceci à remplir. Voilà, avec les points de fidélité derrière et à retourner. Donc, ouais, ça, je vois si je le ferai, franchement, je ne sais pas. On a bien sûr le petit enfin, discours, on va dire. Donc, ouais, normalement, c'est bien été. Hein. Ah non. Quoique non. Alors, ça veut dire qu'au mois d'août, ils ne nous en ont pas compté du tout, quoi. Ah, alors, le crayon faisait partie de la boîte. Il n'y a pas quelque chose en plus, ça fait partie de la boîte. Et il vaut à l'origine, parce que c'est un full size, il vaut 2,90 € et c'est waterproof. Ouais, je veux bien. Waterproof. Ouais. Allez, donc on va ouvrir. Hein. Alors, oh. On va commencer par le premier qui est marqué. Donc c'est le chi, c'est pour les cheveux et la peau. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Chi Silk Infusion est un complexe reconstructeur à base de soie. Il a été spécifiquement développé pour une utilisation conjointe avec les accessoires chi. Ouais, d'accord. Hydratant, cation. Non, j'écoute parce que j'ai mes chats. Cationique et un traitement sans rinçage aux riches extraits de soie pure. Protéines de blé et de soja qui vont pénétrer la fibre capillaire et contribuer à renforcer le cheveu, tout en apportant douceur, facilité de coiffage, brillance, sans alourdir le cheveu. Je sais pas, j'entends des drôles de bruit, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Mais je crois que vous connaissez. Ça vaut à l'origine, enfin, je sais pas si c'est un full size. Non, c'est pas un full size. 15 millilitres. Ça vaut les 50 valent 19,90 €. Ouais, c'est une petite bouteille. Je crois qu'en ce moment, c'est dans la Bitrousse qu'on peut avoir le même. Voilà. Ensuite, bon, le crayon, on l'a vu. Nutritive. Ah, bah, c'est ça. excusez-moi. Mais. Remarquez, c'est provisionnel, prévisionnel, prévisionnel. Dorience, Dermonutrition solaire. On est au mois de septembre. Alors attendez, 2 secondes, excusez-moi, je vais crier. Tigresse! Tigresse!
Oh, sors de là. Allez. Excusez-moi. Ouais, c'est pour préparer la peau au soleil. Donc, c'est un full size, apparemment. Ça vaut 16 euros quand même. Donc, c'est pas négligeable. Voilà, c'est une boîte avec des gélules. Hein. Pas la peine de. T'es tombé une fois, tu vas pas tomber deux. Excusez-moi. Si je peux, je couperai. Non, parce qu'elle est à moitié dans le vide, là. Donc voilà, les petites gélules pour le bronzage, 30 capsules. Ben, écoutez, j'essaierai l'année prochaine, hein, parce que là, s'il y a le soleil à cette période, c'est un peu mort, enfin je veux pas dire, mais c'est un peu mort. Hein. Ensuite, est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, Monu Professional Skinner. Une brume rafraîchissante et tonique aux huiles essentielles, citron, bois de rose, clou de girofle et sauge clarée. Ah, c'est une brume corporelle alors? Excusez-moi, j'essaye de. Oh, c'est pas en français. Alors, apparemment, c'est un full size, 100 ml, c'est un full size, ça vaut 15,16 €. Ah, elle est là. Super. Je sais pas, je vais essayer de sentir. Ouais. Pour la maison, c'est rafraîchissant, on sent bien le citron. Par contre, je me vois pas m'en mettre et partir au bout après, quoi. Je trouve pas que ça soit une odeur. L'odeur ne me déplaît pas franchement, mais j'en mettrai pas pour aller au boulot. Par contre, une brume rafraîchissante pour la maison quand on rentre et tout. Là, par exemple, j'ai super chaud. Ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout. Voilà. Et le dernier, Alessandro. C'est un soin. Au beurre de karité, à l'allantoïne, à l'huile d'arbre à thé, permet de protéger et nourrir la peau. Et c'est un soin pour les pieds. Voilà. Donc, le full size, il fait 100 ml et il est à 14,95 €. Et là, on en a 30 ml. Voilà, donc ça fait, il doit faire entre 4 et 5 € pour la dose. Alors, que dire de cette box de la rentrée? Je suis autant en plus, là, je viens de mettre la vidéo sur les produits testés. Autant les dernières box et la matte box m'avaient vraiment vraiment plu. Autant là, je trouve que c'est des produits qui sont un peu inappropriés. Alors, hormis si c'est vraiment celle d'août où je conçois mieux les produits, mais je ne comprends pas le retard, parce que ça, on reçoit quand même ça en septembre. Autant si c'est vraiment celle de septembre, je suis super mitigée parce que préparation au soleil, ouais, je ne vais pas les jeter, hein, ça me servira pour l'année prochaine, ça c'est certain. Mais préparation au soleil en septembre, on rentre dans l'automne et dans l'hiver. On voit trop l'utilité. Une brume rafraîchissante au mois d'août, j'aurais super apprécié d'en avoir une. Mais si vous saviez à quel point. Parce qu'il y en a qui en ont eu, je crois, dans les box. Moi, j'en avais pas. Donc, ça, voilà, je trouve que c'est un peu. Bon, on a encore des grosses chaleurs, normalement, qui doivent arriver. On devrait avoir encore quelques grosses chaleurs, donc ça peut toujours être utile. Mais voilà, ça aurait été beaucoup mieux de l'avoir, par exemple, sur le mois de juillet pour pouvoir l'utiliser au mois d'août. Voilà. Bon, pour les cheveux, non. Ça, pour les cheveux, vous êtes d'accord. Au retour de l'été, les cheveux sont affaiblis. Enfin, bien que moi, je n'ai pas été à la mer, mais bah, ça, c'est pour les soins pour les cheveux. C'est jamais trop tard. Et le crayon, ma foi, un crayon noir, ça reste un crayon noir. Bon, le waterproof, je cherche. Hein, parce que, vous voyez, il s'efface. Hein. Un crayon noir reste un crayon noir, donc c'est loin d'être négligeable et d'être mauvais d'en recevoir, quoi.
Un soin pour les pieds, c'est pareil, c'est au contraire, parce que là, on va rentrer dans la période où on va avoir les pieds confinés dans les chaussures. Ça serait peut-être bien de penser de prendre soin de nos pieds, bien que j'ai acheté les crèmes et que j'y pense pas, je fais qu'une fois tous les 15 jours, voire plus. Pardon, excusez-moi, je suis mal placée, je suis sur mon lit et je suis sur ma webcam parce que je trouve que la vidéo est meilleure en webcam qu'avec l'appareil photo. Oui, alors petite parenthèse. Dites-moi, surtout mon abonné habituel, tu te reconnaîtras. Dis-moi si tu préfères que je fasse les vidéos avec l'appareil photo, comme pour le produit testé, tout ça, ou là sur la webcam, comme toutes les box. Je pense que ça reste quand même meilleur sur la webcam. Je suis obligée de baisser la résolution de mon appareil photo parce que sinon la vidéo ne passe pas. Et en baissant trop la résolution, sur ce que j'ai vu, ça c'est pas top. Alors j'aimerais avoir la confirmation si c'est moi, enfin que si c'est mon rendu à moi ou si c'est réellement pas top. Dans ce cas-là, je continuerai tant pis à la webcam. Donc, parenthèse terminée. Gros bisous à toi. Tu te reconnaîtras. J'en étais où? Ça y est, je suis paumée, désolée. Je rentre du boulot comme d'hab. Ouais, donc là, je trouve qu'elle est un peu inappropriée, là, cette box. J'espère qu'en réalité, c'est la box du mois d'août et qu'en septembre, ils vont se rattraper. Mais là, le problème, c'est qu'ils parlent de rentrée. L'été s'achève, mais arrive un moment tant attendu, la rentrée. Donc, si c'est vraiment ça, d'une, on n'était pas averti qu'on n'en avait pas au mois d'août. Ça aurait été sympa de, malgré tout, de faire comme la glossie, de prévenir qu'au mois d'août, il n'y avait rien. À moins que j'ai mal lu, hein, parce que en général, j'ai une poche en entier, mais bon. Déjà ça, et de deux, je vais mettre des trucs d'été sur la rentrée, quoi, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est super bizarre quand même. C'est beaucoup. Vraiment, on a deux produits, c'est vraiment typique pour les grosses chaleurs, quoi. Donc, et puis surtout, un qui normalement se prend avant l'été et on l'a maintenant. Donc, bon, remarquez, au moins, ils sont en avance. L'année prochaine, on sera dans les temps. Peut-être ça qu'ils ont calculé, je ne sais pas. Mais bon. Donc, voilà. Donc, un peu mitigé. Donc, ouais, bon, je lui laisse encore une chance parce que les produits ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Hein. C'est juste que je trouve qu'ils sont décalés par rapport au temps. Maintenant, ben on attend la Little avec son lot de surprises, hein, puisque c'est la nouvelle version qu'on va avoir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si je vais rester abonné ou pas. Je sais pas, c'est parce que bon, là on a quand même un produit make-up. Bon. Par contre, il faudrait. Ça fait deux crayons noirs que j'ai. Et si je me trompe, quand j'ai regardé les vidéos. Qu'est-ce qu'il y en a souvent des crayons noirs? Mais en make-up, il n'y a pas que du crayon noir, quoi. C'est bon, avec la glossy, on a eu le rouge à lèvres et tout la dernière fois. Mais je sais pas. Certes, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je sais pas, essayer de changer, ne serait-ce que les teintes. Un crayon marron, un marron, en général, quasiment tout le monde en porte. Et ça peut ne pas déplaire, bien au contraire. Je vous dis pas de rentrer dans des couleurs super fluo ou enfin voilà, ou le violet, ou le vert, ou les choses comme ça, parce que tout le monde ne porte pas ces couleurs. En général, marron, gris, noir, c'est des couleurs qui peuvent être portées par tout le monde. Donc, je sais pas, c'est peut-être une idée. Marron, gris, ça changerait de temps en temps. Bien que je ne me plaigne pas en réalité, c'est une suggestion. Parce que les crayons noirs, on n'en a jamais assez. Donc, voilà. Ben voilà, petite box sympa malgré tout. Voilà. Assez surprise par le contenu complètement décalé. Ben, voilà. Mais. Les produits sont quand même assez sympas dans l'ensemble. On a quand même deux, trois full size. Ouais, trois full size, donc c'est pas négligeable non plus. Les deux échantillons, c'est pas plus mal que ça soit des échantillons. Parce que je pense que le chi, là, ça, là, je pense qu'on doit mettre vachement, enfin, vraiment du temps à l'utiliser humide ou sec, ouais. Ouais, à appliquer quelques gouttes. Dans la paume de votre main, appliquez aussi souvent que nécessaire. Mais alors, quelques gouttes, déjà que au jour, là, je fais des bains d'huile pour essayer de le faire passer un peu, parce que sinon il va croupir que j'aurais pas fini. Donc je pense que celui-là, ça va être un peu pareil. Donc voilà. Ouais, dans l'ensemble,
Il y a du bon et du mauvais. Enfin, c'est pas que c'est du mauvais, mais c'est décalé, quoi. C'est surtout ça. Je me répète, hein. Oh là là. Non, mais vous avez remarqué, le soir après le boulot, c'est souvent ça. Quand je fais les vidéos après le boulot, je me répète au moins 15 fois minimum. Donc voilà. Donc je fais de gros bisous. Je fais de gros bisous à mes abonnés qui sont fidèles. Je vous ai vraiment, vraiment pas nombreuses. Je dis nombreuses, remarquez, il y a peut-être un homme, hein, je sais pas. Je crois que c'est que des femmes, mais je suis pas sûre. Vous êtes vraiment pas nombreuses, mais et nombreux, on va dire ça, pour fâcher personne. Mais j'apprécie vraiment de vous avoir. J'apprécie énormément mon abonné fidèle qui me met des petits messages à chaque fois. Ça fait super plaisir. J'ai vraiment l'impression que mes vidéos sont vues au moins par toi. Voilà. Bon, je sais qu'elles sont vues parce que je vois le comptage, mais là, au moins de toi, voilà, j'ai la preuve qu'elles sont vues. Voilà. Et sorti de ça, bah, pour ceux qui me regardent, si vous voulez vous abonner, vous avez le droit, c'est par là. À chaque fois, je cherche. Et puis en plus, ça dépend sur quoi je suis. Voilà. Vous avez le droit de vous abonner. Je crois que c'est tout. Je vais arrêter de parler. Je vais me poser. Ouais, me poser dans mon lit, là, tranquille, parce que j'en peux plus. Journée complète de la rentrée a été rude. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, je pense au tuto. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, j'y pense, ne vous inquiétez pas, j'y pense. Un jour, j'arriverai à en faire un. Hein. Je ferai le maquillage que je fais habituel, au moins comme ça, je serai à l'aise dedans, mais c'est couleurs simples et c'est produits simples. Mais il faut que j'arrive à trouver le bon éclairage, le bon angle et le bon appareil, surtout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.